Bonjour à tous et bienvenue à cette Tech News numéro 3. On commence par l'espace. NASA TV, désormais, les chaînes sont accessibles en Europe. Les chaînes NASA TV, haute définition et ultra haute définition, qui suivent toutes les péripéties du programme spatial américain, sont maintenant diffusées en Europe via plusieurs satellites d'Eutelsat. Des décollages de lanceurs aux atterrissages de sondes, de la vie à bord de la station spatiale aux futurs projets de colonisation du système solaire, vous ne manquerez rien des activités présentes, futures et passées de la NASA. IFA GPC Sharp annonce la disponibilité fin avril de sa TV 8K pour un prix inaccessible. À l'occasion de la conférence IFA GPC 18, Sharp vient d'annoncer que sa TV 8K LV70X500E sera disponible fin avril en France au prix de 11 199 €. Alors que les TV 4K commencent enfin à s'imposer dans les foyers, Sharp mise déjà sur la 8K. Le constructeur qui avait lancé sa TV 8K LV70X500E en octobre dernier en Chine vient d'annoncer sa disponibilité en Europe et notamment en France fin avril. En parlant de France, la France va avoir son Black Friday de printemps et c'est dans quelques jours. Six grandes enseignes françaises se sont mises d'accord pour lancer une opération de promo commerciale similaire au Black Friday. La France va avoir son propre Black Friday, mais à la différence de la version américaine de cette opération de promotion commerciale, il aura lieu au printemps. C'est entre le vendredi 27 avril et le mardi 1er mai qu'aura lieu ce Black Friday à la française. Nubia dégaine le Red Magic, son smartphone pour gamers. Après le Black Shark de Xiaomi, voici le Red Magic de Nubia. La filiale de ZTE a dévoilé ce vendredi son smartphone destiné aux gamers, le Red Magic, censé être capable de tenir pendant des sessions de 7 heures de jeu. Ce Red Magic sera disponible à la réservation le 25 avril prochain, au prix de $397, soit 320 € hors taxe. Pour le modèle 64Go 6Go de RAM et $477, soit 385 € hors taxe pour la version 128Go avec 8Go de RAM. Et voilà tout pour cette petite tech news, je vous dis à très bientôt.